تلفزيون المغرب الإخباري. Maroc News TV. Le gouvernement cherche à lever les subventions pour Albota et à fournir un soutien direct pour contrer la hausse des prix mondiaux. Le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargé du budget, Fawzi Lekja, a indiqué, mardi à Rabat, que le gouvernement entendait passer du subventionnement du gaz butane à un soutien direct pour continuer à faire face à la hausse des prix internationaux. Lors d'une rencontre avec la presse autour de la présentation du projet de loi de finances pour l'année 2023, Lekja a évoqué les moyens d'accorder un soutien à la population cible et de distribuer un soutien direct aux familles les plus démunies. À cet égard, il a souligné l'importance d'améliorer la contribution des grandes entreprises qui réalisent un bénéfice net de plus de 100 millions de dirhams et qui seront soumises à un impôt au taux de 35%, y compris celles qui exercent des activités de monopole. Le ministre a expliqué que cela permettrait d'asseoir le principe de solidarité sociale et de neutralité financière et aurait un impact significatif sur la réforme du fonds de compensation et le ciblage des familles pauvres et vulnérables au sein des programmes sociaux. Télévision Maroc News TV.